Ce samedi 17 juin, les membres de la famille royale célébraient le roi Charles III lors de Trooping the Colour, mais ils ont déjà un autre événement à fêter. La princesse Anne va sûrement passer ce dimanche 18 juin auprès de sa fille Zara et de l'époux de celle-ci, Mike Tyndall, pour le 5e anniversaire de Lena. Membre très discret de la famille royale, les enfants de la princesse Anne n'étaient pas présents au balcon du palais de Buckingham lors de Trooping the Colour, mais ils étaient placés derrière le prince Harry lors du couronnement du roi Charles III. La fête d'anniversaire de la petite fille se fera donc en petit comité, comme depuis sa naissance. Zara, la petite fille de la reine Elisabeth II et du prince Philippe, a donné naissance à sa fille Lena le 18 juin 2018 à la maternité de Stroud. Un peu plus d'une semaine après l'arrivée de ce nouveau bébé royal, un porte-parole de la famille a partagé le nom de la nouveau-née, Lena Elisabeth, un clin d'œil à la reine. Âgée de 5 ans, la petite peut compter sur sa sœur aînée, Mia, pour faire des cabrioles avec ses cousins lors de certains événements familiaux. Cependant, contrairement à leur cousine la princesse Charlotte, Mia et Lena ne possèdent pas de titres royaux et n'ont pas le droit au rang d'altesse royale. En effet, à la naissance de Zara, la princesse Anne et le capitaine Mark Phillips ont refusé de lui donner un titre. Ainsi, leurs petits-enfants n'y ont pas droit non plus. Supérieur à Zara Tyndall, ses looks les plus canons. Le prince Harry très présent dans la vie de sa filleule. Pourtant, dès la venue au monde de Lena, le prince Harry et son épouse, Meghan Markle, se sont impliqués auprès de la famille. En effet, ils ont tous les deux assisté au baptême de Lena à l'église Saint-Nicolas de Sherrington en mars 2019. Et le prince Harry joue un rôle particulier dans la vie de Lena, même si sa position de parrain n'a jamais été officiellement confirmée par la famille royale. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Crédit photo, agence.